Viktor Orban est en Roumanie pour s'adresser à la communauté hongroise. Le Premier ministre hongrois a participé ce samedi à la traditionnelle université d'été de Bájlatosnád en Transylvanie roumaine. Dans son discours très attendu, le dirigeant ultra-conservateur a exposé sa vision sur les défis auxquels son pays est confronté. Il y a une guerre, une crise énergétique et une inflation galopante. Et tout ça participe à nous détourner des vrais sujets sur l'immigration et la question du genre. C'est la bataille historique que nous menons, à savoir la démographie, la question d'immigration et celle du genre. C'est précisément l'enjeu de la lutte entre la gauche et la droite. Chaque année, des milliers de Hongrois vivant en Transylvanie roumaine participent à cette réunion annuelle qui a lieu à Bájlatosnád. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban met en avant les racines chrétiennes de l'Europe, s'oppose frontalement à l'immigration et milite pour une démocratie non libérale. Il se présente également comme le rempart numéro 1 contre ce qu'il appelle l'invasion musulmane.